obligo do Jamil Atlas. Se o Jamil Atlas for estado do Luas. Ce sera Dave de Big Ball Attack Benoît qui l'emporte dans le couloir. Excellent départ. Couvrir départ canon dans le couloir. Deux camions qui a dégagé. Avantage tour de Maris dans le couloir. Soleno qui prend les grandes de longueur. On est à l'arrivée. Tour de Maris à l'arrivée. On a le 32. Drouin contre Turcotte. C'est bon. Turcotte Drouin, Turcotte avantage dans le couloir. Soleno pour l'instant. En vue Turcotte. Ce sera le numéro 20 d'André Turcotte avec une pointe de vitesse de 111,3 km/h pour André Turcotte. On écoute ça. Couture contre Benoît. On peut charger. Dès le départ. Avantage de Benoît pour l'instant. Dans le couloir, Soleno. Le dépôt d'attaque qui prend la grande dimension. Mais sa couture. C'est ça. Vincent Couture qui l'emporte avec une pointe de vitesse de 73,3 km/h. Oh, yeah! Tout un départ. Le concurrent Danny Lefebvre. Versus Marc Vaillancourt, le numéro 80. Asbestos contre la ville de Chrysler. Dominique Gauvreau à ton camion immédiatement. Dominique Gauvreau à ton camion immédiatement. Oui. Le départ est donné. Oui. Très bon départ encore une fois des deux. L'avantage. Et encore une fois dans le couloir. Marvin dans le couloir, Soleno et Couture, Mario Couture dans le couloir, Amias Marvin, mesdames, messieurs, Mario Marvin partout. Avec une pointe de vitesse de 111, plutôt 112,2 km/h. Mario Marvin gagnant dans le couloir, Soleno. Waiting down this road, I'm picking up. On rappelle également télé aux spectateurs, les roues au départ, comme les roues à l'arrivée, c'est pas le pare-choc qui compte, mais bien l'arrivée des roues. Michel Tremblay contre Miguel Lapointe, on surveille son nez dans le point de charger. C'est bien fait en départ des deux côtés, prêt à aller qui prend les bas. Et jusqu'à l'arrivée, c'est le numéro 11 de Michel Tremblay qui l'emporte dans le couloir ABS avec une pointe de vitesse de 50 chars contre Bérard. Avantage Bérard pour l'instant dans ce Simon Chant qui a pris les pas dans le départ. Et on Matt Bérard qui l'emporte dans le couloir ABS avec une pointe de vitesse de 67,7 km/h. Bobtail, Open Bobtail, j'ai dit à Bobtail, hein, tu parles d'un Open Bobtail. Marco Lamoureux, le 666, j'ai dit champion, les erreurs. Lamoureux dans le couloir ABS et Norman Brobert dans le couloir Soleno. Open Bobtail, Lamoureux contre Brobert, on surveille ça.
porte dans le couloir. Sonnez donc le point de vitesse de 103,9 km/h pour Normand Boisvert. C'est le temps de départ et Banville. Donc Turcotte du côté de Soleno et Banville du côté de l'ABS. On est sur le circuit Rotterdam de la Nationale. Attention au départ. Banville contre Turcotte, c'est parti mon kiki. Un peu de roulement. Je comprends dans le Turcotte, on vous parle de GMS. Peut-être sur Turcotte à l'arrivée, ce sera André Turcotte qui l'emporte dans le couloir. Soleno point de vitesse pour lui de 113,4 km en sol et Rachico dans les Zézettes à surveiller. C'est parti! Bon départ pour Réjean Russell! Et attention, Rachico va prendre doucement en fin de semaine. Est-ce qu'il est ensuite à l'arrivée, c'est serré, mais c'est Mario Rassico qui l'emporte avec une pointe. Et on surveille ce départ entre Guillemette et Tremblay. Avantage, Guillemette en tournant, c'est l'énorme pour le départ, mais attention, je pense qu'on a eu un faux départ justement. Non? Oui. Oh. On prend de... Et Messie Dubé, oh Michel Tremblay qui a départ canon avec un 3-0, 0-4 comme dans le match de Michel Tremblay. Donc pour l'ABS, ça s'est confirmé, le gagnant, Michel Tremblay avec une pointe de vitesse de 60,6 km/h. Daniel Contre-Couture, la pétarade au départ. Yep! Le départ est bon! Vincent Couture! Un départ canon, ça glisse un peu! Et attention, Couture dans la haine, ce sera Vincent Couture qui l'emporte avec une pointe de vitesse de 30,5 km/h! Le dernier mot! Jean-François Dessier dans le couloir, Soleno, point de vitesse de 105,9 km/h! Le gagnant, JF Tessier. Bonjour entre Marion Dupuis et Michel Tremblay. Surveillez bien les vents, on aura une bonne course là-dessus. Tremblay contre Dupuis. Et second. Le gagnant, Michel Tremblay, avec une pointe de vitesse de 62,3 km/h, chargée à bloc de 30 tonnes. Alors, la voiture est immatriculée M26ELA. M26ELA, voiture grise, on ne voit pas la marche pendant. Veuillez déplacer votre véhicule rapidement, s'il vous plaît. Biron contre Tremblay, on est dans le. On peut le changer. Avec une pointe de vitesse de 70,5 km/h. Wow, monsieur! Bay Mountain. Alors on va reculer le dos. On va mettre le bloc. Turcotte dans la pointe.
69,7 km/h. On va venir à la place. Open.